C'est dans le cadre du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal que l'Agence régionale de développement du Ziguinchor a procédé au renforcement de capacités des collectivités territoriales pilotes du programme sur la fiscalité locale. Nous avons constaté que les communes ont énormément de difficultés dans la mobilisation des ressources propres. C'est parce que d'abord, elles n'ont pas une bonne maîtrise de l'assiette fiscale. Et donc, nous avons souhaité nous attacher les services du Centre des services fiscaux, qui est le service dédié de l'État en la matière, pour vraiment renforcer les capacités des communes et de leur commission de fiscalité locale en particulier sur les recettes internes et externes des collectivités territoriales, sur les nouvelles réformes en termes de fiscalité, mais aussi leur aider un peu sur les notions de mobilisation des ressources fiscales. Cet atelier va permettre aux communes de promouvoir le développement de leur localité à travers la fiscalité. Comme on a l'habitude de le dire, l'argent c'est le nerf de la guerre. Les communes ont besoin de financer leur développement. Les budgets, c'est des prévisions. Il faut pour autant avoir des moyens, assez de moyens pour promouvoir le développement de la localité. Et la fiscalité fait partie des moyens les plus directs pour financer cette activité. Une rencontre très intéressante selon ce participant pour qui la fiscalité est le moyen le plus sûr pour atteindre les objectifs du budget. Nous sommes là en notre quatrième ou cinquième formation. Vu l'importance de la question et vu l'engagement qu'il accorde à cette question, nous le remercions vivement, nous le remercions vraiment beaucoup. La fiscalité est très importante, comme M. l'inspecteur Diop l'a dit ici, dans la mesure où le budget, comme il l'a dit également, ce n'est qu'une prévision. Et la source financière la plus directe, la plus sûre pour pouvoir atteindre les objectifs du budget, c'est juste la fiscalité. Rappelons que cette rencontre de deux jours a réuni les collectivités territoriales pilotes du Pakassène, notamment Ziguinchor, Bindiona, Oussouy et Tionkessil.